Coucou! Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est... Chouette! Une chaîne dédiée à la présentation des services Data. Je suis en compagnie de Julien Pierre de Hamar Edgar. Je m'appelle Romain Casteres. Nous sommes tous trois Microsoft Cloud Solution Architect. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de Microsoft Fabric. J'en profite un peu, Romain, que tu sois là. Et j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations sur la tendance de la plateforme Data pour 2024. Si tu pouvais nous présenter un petit peu ça, ça pourrait être intéressant. En effet, donc l'explosion du volume de données rend difficile leur exploitation. Elles sont souvent silotées et intégrées à une solution spécifique. L'interaction entre les briques logicielles pour construire une plateforme analytique sous de machine learning est souvent très compliquée du fait de l'hétérogénéité des systèmes, des formats, des modèles de données et même des systèmes de sécurité. Pour éviter cela, la proposition est de séparer les computes du storage, avoir un point de centralisation de la donnée, a single point of truth, et un format de stockage unique. Donc ça va en simplification de l'accès à la donnée. On voit aussi que gérer des plateformes de données est plutôt laborieux. Le PaaS apporte certes une avancée significative dans la gestion, mais il faut continuer à provisionner des services, à peut-être les scaler, et l'utilisateur doit attendre que ces services soient provisionnés. Donc l'approche serverless ou SaaS, basée sur un modèle capacitaire, élimine ces difficultés. Et enfin, l'IA générative est maintenant à peu près partout et on imagine qu'elle pourra aider aussi bien les professionnels de la data comme les data scientists, que les data engineers ou même les data analysts dans la découverte de nouveaux insights via des copilotes. Donc la réponse de Microsoft à ces différentes tendances est cette Microsoft Intelligent Data Platform qui permet de maximiser la valeur de vos données, réduire les coûts grâce à une plateforme intégrée en mode SaaS et avec de l'IA built-in. Mais je n'en dis pas plus, je laisse Julien et Hamar introduire Microsoft Fabric. Microsoft Fabric, c'est un ensemble d'outils qui va reposer principalement sur une plateforme que l'on va appeler le OneLake, qui va nous permettre d'héberger nos données, qui va nous permettre de centraliser nos données. Elle va reposer aussi sur d'autres outils comme Data Factory, par exemple. Data Factory va nous permettre de faire le push de nos données dans notre OneLake. C'est un ETL qui va permettre de transformer les données. On a Synapse Data Engineering aussi qui est disponible, qui va reposer sur une couche Spark, par exemple, qui va nous permettre de faire du Scala ou du Python pour transformer nos données. On va avoir aussi toute la partie Synapse Data Science qui va aussi reposer sur du Spark, qui va permettre d'aller plus loin à partir de ces données qui vont être hébergées dans notre OneLake et peut-être mettre en place des algorithmes de machine learning. Et puis, on a toute une partie Data Warehouse et Time Analytics qui sera aussi à disposition via Synapse dedans, qui va nous permettre de réaliser nos rapports, de mettre en place notre modèle décisionnel pour réaliser nos rapports que l'on verra sans doute avec du Power BI que l'on connaît déjà très bien sur cette partie-là. Et puis on va avoir un Data Activator qui sera à disposition aussi dans Fabric, donc c'est l'ensemble Fabric. Data Activator nous permettra d'avoir un système d'alerting. Fabric, c'est un peu comme une plateforme unifiée, un framework unifié. Grosso modo, c'est comme un OS. On va avoir la couche basse, notre OneLake, la couche de sécurité, la couche de gouvernance, et puis qui va reposer au-dessus sur les différentes couches d'apps, comme Data Factory que l'on a pu voir. Et donc, Fabric, on voit que c'est un ensemble de produits que l'on va mettre à disposition. On va pouvoir aller se connecter très facilement à nos différentes sources de données qui vont être hétérogènes. On va pouvoir réaliser notre modèle, utiliser du Spark pour pouvoir faire notre transformation de données avec différents langages comme du Python, du Scala, du R. On va pouvoir mettre en place notre modèle derrière, mettre en place nos dimensions, nos mesures calculées, tout un tas d'informations. D'ailleurs, je crois que la meilleure chose pour parler de Fabric, c'est de vous faire une petite démo. Et qui mieux que Hamar pour nous réaliser cette démo? Merci Julien. Du coup, nous voilà sur le portail Power BI, donc portail qu'on connaît. On n'est pas trop perdu, ce qui est assez sympa. Et en fait, pour activer Fabric, dans un premier temps, il faut avoir les droits admin sur le portail. Une fois qu'on a les droits admin, on va dans Settings, Admin Portail. Et ici, au niveau du tenant, on va avoir le petit bouton User can create Fabric item. Il suffit de cliquer dessus et d'enabler Fabric. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler avec Fabric une fois que ça a été activé. On peut l'activer pour toute l'organisation. On peut décider de l'activer pour certains groupes, par exemple les data ingénieurs, comme je peux décider de l'activer pour toute l'organisation et exclure des groupes comme mes viewers de Power BI, par exemple. Une fois que ça a été activé,
On va attendre un petit peu, mais normalement, on va avoir tout en bas à gauche un petit bouton apparaître qui est Power BI. Et là, on retrouve les différents apps que Julien nous a présentés. Une fois que j'ai ça y est, je peux travailler. Donc, je vais dans un workspace que j'ai préalablement créé. Une fois que je suis dedans, je vais simplement dans les Workspace Settings Premium. Donc ici, moi, j'ai choisi la fabrique Trial, mais si on a la fabrique capacité, on a juste à rattacher notre workspace à notre capacité fabrique, et ça y est, on peut commencer à travailler. Ici, si vous le remarquez, je clique juste sur New, More Options, Lakehouse, et je vais me créer DataShuite Lakehouse, et le tour est joué. Donc là, vous voyez, en quelques clics boutons, je me suis créé un lakehouse et je peux travailler, appeler des notebooks, obtenir de la donnée. Donc, je n'ai pas besoin de créer d'architecture derrière, de penser à une Azure Data Factory avec un ADLS. On a vu comment activer Fabric sur le portail Power BI, mais pourquoi l'activer? En fait, on voit sur l'icône à droite toutes les nouveautés qu'on va avoir en activant Fabric. Super, merci Yamar, merci Julien, une super introduction à Microsoft Fabric. Maintenant, il n'y a plus qu'à, n'hésitez pas à tester la solution. Merci Romain pour cette première vidéo et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne et mettre un petit j'aime et nous laisser vos commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.